Bonjour à toutes et à tous, ici le coach Wizard et on se retrouve du coup pour notre 40e épisode. Déjà le temps file. Bon non, je rigole, je suis un peu en retard. Mais ça y est, 40e épisode du coup. Notre objectif du jour, assurer notre place dans le top 3 comme on l'a quasiment fait et ensuite aller chercher ce titre que l'on veut, que l'on cherche, qui nous ferait le plus grand bien, bien évidemment. Et ça commence par un match avec Ripple Boom tout de suite en face de nous. Alors il est important de ratifier ce match, bien évidemment. Hop là. La composition, on va en discuter dans un instant après. Le coup d'envoi, Van Attenhoven dans les cages. Manuawana à droite. La paire centrale composée de Konaté et de Kay, à force, vous l'avez l'habitude. Derley à gauche, Smet et Shinktian. Centrale parce que Assouan est suspendu par accumulation de cartons à force. Pennant à droite, le meilleur passeur actuel du championnat. Asante, le meilleur buteur du club actuellement en U23, est avec nous. Radi à gauche, Van Aeren en pointe et c'est parti. Allez, cinquième minute quasiment. Konaté par-dessus pour Van Aeren qui va réussir à se saisir du ballon, qui va lancer Pennant et le but de Kian Pennant au bout de 5 minutes de jeu à peine sur une passe de Van Aeren. Allez, c'est bon. Ah non, il est tout à fait en jeu, il n'y a pas de souci. Allez, on a RN qui va nous donner un petit peu d'air. Arbaï, repris par Smet. Oh non, Smet, quelle erreur! C'est Smet qui donne le ballon à Bangoura. Mais oui, mais t'as raison, t'as raison. Mais t'as raison, vas-y. Les adversaires, ils ont pas assez de chance comme ça de nous mettre mal. Il faut qu'on les aide. C'est n'importe quoi, ça. Smet, c'est n'importe quoi. Allez, il va falloir rattraper cette erreur maintenant. Asante, Derley, Deke, Smet. Asante par-dessus. Ok, Manuawana. Qui va passer à Asente, justement. Asente pour Smet. Shinktian, Radi, Derley, la frappe. Pourquoi tu frappes pied droit? Sérieusement. T'es gaucher, arrête d'essayer de frapper du droit comme ça, là. Allez, on continue. Avec une possession pour Ruppelboom. Bon pressing, là, de Van Aeren. Il est un peu loin pour son pressing, d'ailleurs. Il a totalement dézoné. Allez, il va falloir se replacer, les gars. C'est plus bon, là, comme placement. Allez, Manuawana qui va intercepter. Par-dessus. Pour personne, malheureusement, parce que Van Aeren ne s'est pas imposé. Allez, interception Konaté. Van Attenhoven. Konaté à nouveau. Shinktian. Radi, ça vient vers l'avant. C'est pas mal. Van Aeren seul face au gardien. Et le but! De Van Aeren, ça y est, on reprend l'avantage. Lui qui était passeur juste avant, cette fois, il est buteur. Tout va bien. Et Radi qui trouve une très belle passe dans l'intervalle là. La projection fut très très bonne. Allez, Van Attenhoven. Par-dessus. Oh, Asante, il est passé. Et le but d'Asante, il est tout à fait valable, il n'y a pas de souci. Le meilleur buteur qui en met un 13e désormais. Et c'est une passe décisive pour Van Attenhoven, hein, notre gardien, l'air de rien. Quel dégagement, ça atterrit dans la surface. Par contre, la défense de Ruppelboom qui s'est totalement trouée là-dessus en laissant le ballon atterrir aussi loin, c'est impressionnant. Allez, Arbaï. Ouh, c'est dommage, c'était bien joué ce coup franc. Et les Young Reds qui sont en train de perdre contre Winkel. C'est le Club Next hein, qui va commencer à remonter très fortement là.
Attention, Fadera. Oh, le but. Quel but incroyable. Il a mis une mine surpuissante. Van Attenhoven a à peine eu le temps de bouger, de tendre les bras. Regarde là, Emouakbor. Pour Fadera qui va rentrer et un énorme missile. Ouais, non, Van Attenhoven, il a rien pu faire. On a la heat map là. Là, c'est pas mal. Allez, montrer de bonnes choses. Voyons voir. On a Manu Awana et Deki, il arrive de moins en moins. Derley se met aussi. Peut-être falloir qu'on fasse quelque chose pour eux parce qu'ils y arrivent effectivement de moins en moins bien. Ils s'y tiennent, Konaté. Manu Awana, Konaté. Allez, Asante pour la contre-attaque, c'est parti. On se projette dans l'autre sens. Regarde Pennant. Ouais, Sing Tien, faut la remettre au milieu. Pour Asante! Oh! Il a voulu faire un extérieur pied droit sans contrôle. Ça aurait été magnifique hein, si c'était rentré, mais le problème, c'est qu'un contrôle aurait assuré, je pense, le but. Ouais, Van Attenhoven qui évite l'égalisation là-dessus. Ah, c'est au-dessus, largement au-dessus. Attention, Arbaï. Ouais, non, c'est raté, c'est tranquille. Pas d'inquiétude. Van Attenhoven. Ça cherchait la tête de Sing Tien, c'est raté. Et Ruppelboom qui repart de plus belle à l'attaque. Hein. En même temps, ils sont qu'à un but de l'égalisation, ils en veulent. Asante, Derley. Derley qui esquive un joueur, qui réesquive le même joueur encore, Sing Tien. Van Aeren qui a décroché un petit peu pour récupérer ce ballon. Sing Tien, Van Aeren. Très très bas notre attaquant. Pennant. Pennant qui rentre sur son bon pied. Oh là 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 là, il a voulu l'enrouler, il a joué seul, c'est dommage. Le nombre de buts qu'on pourrait mettre si jamais nos joueurs arrêtaient de jouer seul. Allez, Derley. Oh non, ça c'est une erreur. Jamais dans l'axe. Jamais dans l'axe, les gars. Van Aeren, Smith, Sing Tien, Radi pour Asante. Ça lui tape dans le talon. Heureusement, c'est re-récupéré. Asante, seconde chance pour lancer Van Aeren. La frappe de Van Aeren s'est contrée. Et attention, ça va repartir dans l'autre sens. De Kay, c'est de moins en moins bon. 6,3 comme note. Allez, on va faire les premiers changements du coup à la 63e minute. Derley va être remplacé par Camara. Sing Tien va être remplacé par Wood George. Wouter George. Je dis Wood, mais bon, c'est Wouter. Et j'hésite à vraiment à remplacer de qui en vrai. Je pense que je vais le remplacer par Ben Hamar. C'est moins. C'est dommage parce que Manu Awana, je pense, aurait mérité aussi un remplacement, mais Deke me fait très très peur avec sa note. Et je sens la bourde arriver. Allez, Konaté, Manu Awana, Konaté, Ben Hamar. Loin pour Radi, mais c'est totalement raté. Bliek. Allez, Van Aeren qui va récupérer le ballon pour Smet. George, qui a déjà pris un jaune à peine arrivé. Ben Hamar, George, Ben Hamar à nouveau, Radi, là ça tourne. Ok, Van Aeren. Pff, ouais, hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. J'étais pas sûr, mais effectivement, ils sont montés nous chercher très très haut pour créer ce hors-jeu. Alors, on va sortir Asante, du coup, on va mettre Mboko. Et pour mettre Pennant, on va mettre Tiernova, tiens. Un petit peu à la place de Pennant, qui fait un bon match, hein, rien à dire, mais on va le changer quand même. Et pour l'instant, on domine encore ce match. Un but d'avance. Vingtième minute, 10 minutes pour l'instant encore restantes. Allez, Konaté.
pour Ben Hamar. Par-dessus, personne va aller sur le ballon. Une petite pression de la part de Mboko, mais c'est tout. Non, c'est Tiernoba d'ailleurs, pardon, qui est venu mettre la pression. Mboko, il est là. Smet, George. Pour Mboko. Mboko qui va réussir à. Non. Je croyais qu'il allait réussir à trouver Tiernoba, mais non. Et là, la contre-attaque est arrivée très très vite. Allez, ça repart. Mboko. Konaté. Ben Hamar. George. Pour Tiernoba, là-bas au fond. C'est contré. Manu Awana, seconde chance de centre. La tête de Radis est dans les bras du gardien. Allez, Manu Awana, Mboko, Smith, Konaté, George, Radi, Van Aeren qui la remet sur Radi. Mboko, oh là 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 là, quel cafouillage dans la surface. George, Smith, George à nouveau, par-dessus pour Tiernoba. Oh non, c'est dommage. Je pense que la mettre au fond, ça aurait été assez facile normalement, mais là, il l'a raté. Je ne sais pas pourquoi. Allez, Mboko. Smet. Ben Hamar. Par-dessus pour Tiernoba, qui était peut-être légèrement hors jeu. Allez, on entre dans le temps additionnel bientôt, dans moins d'une minute. Smet. Konaté. Si on pouvait marquer maintenant pour prendre deux buts d'avance. Ça serait bien. Allez, Konaté. Mboko pour Van Aeren. Van Aeren qui a vu Mboko. Mboko. Oh non, ça tue. Ce que j'aime bien avec Van Aeren, c'est vraiment son côté collectif. Je me répète encore une fois, mais j'adore cet attaquant pour ça. Il est collectif, il fait des passes, il fait ce qu'il faut. Allez, long ballon devant encore une fois. Ça atterrit dans les pieds de Mboko. Oh. Ça aurait pu être la deuxième passe décisive de Van Aertenhoven dans ce match, ça aurait été drôle. Smith, George, Van Aeren, Camara, Ben Hamar, Konaté. Oh là là, ça a été nul ça, Konaté. Oh non, Ben Hamar qui se trouve. Attention, il reste que 30 secondes. Konaté, Ben Hamar, Van Aertenhoven, loin, gros coup de chausson. Allez, il reste 10 secondes. Camara qui la récupère. Pour Van Aertenhoven, 5 secondes. Voilà, le gros ballon devant. Et c'est fini. C'est fini, monsieur l'arbitre. Voilà, il faut savoir s'arrêter. Et c'est le cas, ça y est. 1. But d'avance, ça nous fait 3-2 contre Ruppelboom. On conserve encore une fois notre avance en tête du classement. Attendons de voir si ça se trouve, c'est même un peu plus que ça maintenant. Parce que. Alors, Club Next qui gagne 4-1, les Rallyers qui gagnent et les Young Reds qui perdent. Ça y est, on se détache. On se détache vraiment maintenant. Oh là là, on se détache bien. Et attention, Lokeren, plus qu'un point d'avance. Heureusement, ils ont encore un match à jouer, mais là. Ça fait du bien. 7 points d'avance sur les Young Reds. Oh là 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 là, on est bien. On est très très bien. Allez, on est très très bien. On se retrouve tout de suite pour la suite, mais là, on est on fire. Allez, c'est le second match et le match décisif. Le match contre les Young Reds. Justement, si jamais on les bat, on est quasi assuré du titre. On aurait 10 points d'avance pour 4 matchs restants. Ce qui nous permettrait d'être quasi assuré du titre. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud parce que eux vont tout donner. Ils ont le retour du Club Next qui est sur une dynamique juste incroyable. Ils sont quatrième, un point seulement derrière Lokeren. Ils ont actuellement 4 points d'avance eux-mêmes, les Young Reds, là, sur Lokeren. Du coup, tout est très serré, tout est chaud, bouillant parce que c'est ultra compliqué en fait. Le système de ce championnat fait que ils vont bientôt se retrouver avec les autres sur les talons s'ils ne gagnent pas aujourd'hui contre nous. Et nous, au contraire, on le voit en haut hein, ici, si jamais on gagne ce match, on est assuré quasiment du titre. Attention, Valencia. Après, ne pas gagner, c'est pas si grave hein, non plus. On serait
toujours avec de l'avance sur eux. Mais eux, il faut qu'ils gagnent pour rester en course pour le titre. Sinon, c'est sûr que c'est perdu. Allez, Penens. Oh, le match se joue très très haute tension. Xingtian, oh le poteau! Ok, c'est pas grave. C'est qu'un petit poteau. Penens. Penens, le corner, c'est dégagé. Assouan, non, récupérera pas le ballon. Allez, 20 minutes. Second poteau, Van Attenhoven. Konaté. Van Aeren, Pennant, Asante. Et oui! Zach Asante, 14e but cette saison. Le Ghanéen qui nous offre sûrement le titre. Oui, oui, oui. Allez, allez, allez. C'est un premier pas. Il y en a encore plusieurs à faire. Assouan. Xingtian, Deke. Allez, on s'emballe un petit peu là. Alors que Van Aeren, tiens d'ailleurs, là est titulaire, mais j'aurais peut-être pas dû. Sachez qu'il a séché un jour d'entraînement, carrément. Comme ça, sans raison. Oh, Asante! Oh, Asante! Si, si, il est en train d'aller le chercher tout seul, le titre, Asante. 15e but de la saison. Oh là 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 là, trop fort. Il est beaucoup trop fort. Radic arrive à le trouver. Et du gauche, parfaitement croisé ce ballon. C'était superbe. Attention, Valencia. Et Van Attenhoven dans les airs qui s'empare du ballon. Magistral. Loin devant. Comme à son habitude désormais, Van Attenhoven. Oh non, Manu Awana qui s'est troué. Attention, pas les laisser revenir trop tôt dans le match quand même. El Hilah. Ouh, ça passera à côté, c'est dégagé par Xingtian, ça sera un corner. Valencia sur ce corner, justement. Corner rentrant. Et Van Attenhoven, c'est dans les gants. Assouan, Pennant. Ça cherchait Radi, ça le trouvera pas. Xingtian. Pour Radi! Oh là là, il aurait peut-être dû laisser filer pour Asante qui était dans le bon sens. Qui était dans le sens du but. Ouh, Asante! Oh non! Oh non, Asante! T'as que les deux pieds décollés! Oh non, deux héros à zéro! Normalement, c'est l'inverse. On est en train de faire un zéro héros et là, tu nous fais l'inverse. Aïe, 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 aïe. On n'est plus que 10. Et c'est la première période encore. Ça, c'est pas bon. Et en plus, ça veut dire qu'Asante, là, il vient de se priver des prochains matchs aussi. Pas bon du tout. Allez, continuer comme ça, c'est parfait. Mais surtout, maintenant, il va falloir que ce soit Van Aeren et Radi. Et Manu Awana. Est-ce qu'on jouerait pas en mode sans attaquant et juste Van Aeren qui va redescendre ici? Je pense que ça peut le faire en vrai. Ça pourrait perturber la ligne de défense adverse. Allez, Xingtian, Assouan. Deke, Derlé, Radi qui est pas parti cette fois. Il aurait dû. Xingtian, voilà, qui va lancer. Oh, Radi, sérieusement, il a même pas couru. Ok, on mène toujours de deux buts. On va les féliciter quand même. Konaté, Afouan. Par-dessus, Pennant qui ne courra pas non plus sur ce ballon. Attention, c'est prolongé. Galidi. Valencia, second poteau! Oh là 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 là, Valencia pour son 16e but, lui, de la saison. Oh, monstrueuse la reprise de volée là de Valencia. On va la regarder encore pour le plaisir.
Oh là 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 là, ouais, non, la demi-volée comme ça, impériale. Oh, aïe, aïe, aïe. Attention, plus qu'un but d'avance du coup. Surtout ne pas perdre, hein. Très important, ne pas perdre. Ok, corner. Encore 30 minutes à tenir. Deke qui va dégager de la tête. Ça sera à nouveau corner. Second poteau, c'est dégagé. Attention, Igor Paixiao. Paixiao, pardon. Proche de la 70e minute. Pour l'instant, on est très très bien. Van Attenhoven, loin devant. Assouan qui prolonge de la tête. Personne. Et Duomo qui va lancer Galidi. Van Attenhoven qui se couche. Bien, ça sera corner. 20 minutes désormais. 20 minutes à tenir. Allez, Pennant qui va contrer. De Ké. Pennant. Radi, il n'y a personne sur ce ballon. Allez, on va faire des changements. 72e minute, on n'est que 10 sur le terrain. Ah ouais, mais c'est compliqué là de faire des changements. Alors, déjà, l'oiseau va rentrer pour là. Konaté, on va remplacer par Benamar. Xingtian, on va mettre Smith. Radi, Eremans. Et Van Aeren, je vais mettre Mboko. Voilà, les choix sont faits. Je remplace ceux qui ont des mauvaises notes. Voilà, j'assume. J'assume mes choix. Attention, plus que 10 minutes. On est à la 80e. Pennant qui va tenter de saisir du ballon. Il va pas réussir. Par-dessus. Galidi. Oh, le poteau qui nous sauve! Attention, seconde chance, et c'est Van Attenhoven qui va l'avoir dans les bras. Manuawana, Mboko, Manuawana, Benamar, Deke, Eremans, Smith pour l'oiseau. Deke, Smith à nouveau. Ouh, la petite talonnade pour Deke. Benamar. Mais on n'est pas dans le sens du jeu, voilà, Mboko. Qui se fait tacler, c'est pas grave, il faut l'accompagner les gars. Et Rayman, ça, Merckx qui vient sauver, Merckx qui a sauvé sur cette claquette. Oh, qu'est-ce que ça aurait été une bonne idée de marquer maintenant, c'est dommage. Allez, Pennant, Pennant. Centre-moi ça bien comme il faut sur la tête d'un défenseur. Oh, Deke qui va pas réussir à s'en saisir. Et Rayman, qui revient derrière avec l'oiseau. Oh, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est compliqué de tenir là? Allez, Smith, 89e minute, l'oiseau qui va lancer Eremans. Eremans, le centre pour Mboko, c'est contré à nouveau et ça finit dans les gants de Merckx. Combien de temps additionnel? 4 minutes de plus à tenir. 4 minutes de plus à tenir pour peut-être être champion. 15 secondes. Benamar qui va lancer Pennant. Pennant. Allez, conserve-moi ce ballon, Pennant. Voilà, Manuawana. Assouan, c'est fini. C'est fini! La victoire contre les Young Reds 2-1. À 10 contre 11, on va remporter ce match et se faire un énorme pas vers le titre. La montée déjà. Ça y est, c'est fait. C'est officiel. On monte. Et à la prochaine victoire, ça sera officiel. Nous avons le titre. Parce que là, avec 10 points d'avance sur les Young Reds, rien ne peut plus nous arriver. Sérieusement, si on garde 10 points d'avance au prochain match, on peut être champion. Ça va être compliqué, ça va être ultra stressant, mais on peut être champion. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. On va lire un petit peu ce qu'ils disent de nous dans les journaux. Bon, ASNT, on va pas faire d'appel, hein. Non, pas d'appel. Pas d'appel de la suspension, on va respecter. Même s'ils disent que ça avait été un peu sévère, c'est pas grave. Alors, le titre déjà, on va voir. Obtenu la montée. C'est une vraie véritable récompense, c'est clair. Match qu'on attendait comme le plus important.
Bonne satisfaction de la victoire. En plus, voilà, 10 contre 11, hein, je le répète, mais important. Allez, budget initiaux, on n'aura pas de budget transfert, bien évidemment. Hein, on a une équipe U23. Ah, c'est bien, hein, la montée. Ça nous fait quand même deux montées. Une avec Bukovina, une avec OHL. C'est plutôt cool. Plutôt cool tout ça. Bon, écoutez, on va sauvegarder du coup la partie là-dessus. Moi, je vous dis encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre du coup les aventures avec OHL U23. C'était Coach Wiza, je vous dis à ciao tout le monde.